la défaite des Bleus à l'Euro n'est toujours pas digérée, donc on va commencer par ça. Pour cette édition, Didier Deschamps avait choisi de tout axer autour de Kylian Mbappé. La stratégie du sélectionneur n'a pas fonctionné et ça commence à faire parler, Julien. Oui, dans un article du journal L'Équipe, on apprend justement que le sélectionneur s'est obstiné à faire tourner son équipe autour de Kylian Mbappé sans préparer de plan B, pardon. Deschamps a toujours fait passer son capitaine au-dessus de tout, peut-on lire dans l'article écrit par Loïc Tanzi. Exemple, quand Mbappé zappe logiquement une séance physique à cause d'une douleur au dos, quelques joueurs importants du groupe demandent à Deschamps que Mbappé rattrape les exercices le lendemain. Refus du sélectionneur. Autre élément, Deschamps voyant des groupes se former durant la compétition, décide de changer un petit peu les places dans le vestiaire, sauf celle de Mbappé et de ses plus proches, ce qui a provoqué l'étonnement de pas mal de joueurs. Et puis Didier Deschamps s'est aussi parfois montré assez piquant avec certains éléments de l'équipe de France, notamment aux entraînements, leur reprochant un manque d'intensité. Il ne l'a jamais fait avec son capitaine. Alors Tidiane, je vais me tourner vers toi parce que toi, ce statut d'intouchable, tu le trouves dérangeant. Donc on va t'écouter et ensuite on ira voir les autres autour de la table. Oui, je le trouve dérangeant, mais au-delà du statut d'intouchable en lui-même, parce que des intouchables, il en existe dans plein d'autres équipes, dans des équipes de sélection, dans des équipes de clubs à diverses époques. Moi, c'est plus ce qui a amené à ce statut d'intouchable qui me dérange. Pourquoi ? Parce que là, Julien, il a évoqué, on va dire, les événements récents, mais il y a tout un processus qui, pendant l'année, a amené aussi à avoir un Kylian Mbappé de plus en plus fort, de plus en plus intouchable au sein de cette équipe de France. Déjà, le fait qu'il y ait une culture de l'excuse permanente autour de lui, moi j'en ai souvent parlé autour de ce plateau, souvent lorsqu'on évoquait le contenu de ces matchs, on nous disait, on nous rétorquait qu'il y avait les statistiques, les buts qui marquaient, on nous brandisait ça un petit peu comme un argument implacable, incontestable. On se rend bien compte que fallait aussi peut-être creuser à côté. Et puis cette culture de l'excuse, lui, il l'a entretenue à travers des déclarations en conférence de presse, à travers des indiscrétions qui ont filtré à travers la presse aussi. Donc moi, à la limite, encore une fois, qu'il soit intouchable. Didier Deschamps a décidé de lui donner les pleins pouvoirs, brassard de capitaine, épicentre tactique de l'équipe, pas de problème. Mais en fait, le problème, c'est que ça se fait avec des contreparties. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a peut-être un problème de légitimité, que ce soit au niveau des coéquipiers et même au niveau du sens global. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut contester Kylian Mbappé ? Moi, c'est ça c'est pour ça que je parle de l'année, de tout ce processus. C'est que j'ai l'impression que l'absence de remise en question du joueur a amené à ce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut quasiment plus rien lui dire parce qu'on estime qu'il est intouchable et que c'est comme ça et pas autrement. Pierre, tu es d'accord ? Pas forcément, parce que je trouve que déjà c'est pas lui rendre service, je pense, et c'est pas rendre service à beaucoup de monde, et je pense que de toute façon ça révèle un petit peu les carences de Didier Deschamps dans la gestion de son groupe pendant l'Euro. La problématique étant, moi quand tu parles de tactique, pour moi c'est pas un problème. Mbappé a toujours fait ce qu'il voulait sur un terrain, et même quand on me dit ouais on a fini les clés du jeu à Mbappé, enfin à partir du moment où Mbappé c'est pas Zidane et qui sait courir vite et utiliser sa force comme ça, c'est pas un mec qui va faire le jeu de l'équipe de France. Mais au-delà de ça, je comprends. En fait, le problème qui a pu être causé à l'intérieur de ce groupe et de ce vestiaire, parce que justement, Didier Deschamps n'a pas été juste. Il a manqué cruellement de considération pour les autres et ceux qui étaient autour. Et on l'a vu, la gestion dramatique de Griezmann, le fait de s'être foutu dans la mouise avec ce retour de Kanté, où qu'est-ce qu'on fait de Griezmann ? Et en même temps, vouloir essayer de lui trouver un poste sur le côté où c'est pas lui rendre service non plus parce qu'il est affreux. Donc, je trouve qu'il a, Didier Deschamps a complètement tout raté. Mais pour moi, Mbappé, ça reste quand même un mec qui est capable de faire changer le contenu, la mise en place de l'adversaire. À partir de ce moment-là, quand tu le poses sur un terrain, tu sais que les adversaires vont être 30 mètres plus bas. Et donc, c'est le seul avec qui ça fonctionne. Donc, quitte à tout laisser faire, même dans les vestiaires et tout ça. Mais non, tout mais ce ça, c'est du non, tu pas du tout. Dire, mais ça, je suis ça. Complètement donc d'accord. Mais ça a gêné plus dans le management que dans la tactique du foot. Oui, mais c'est là-dessus aussi qu'il est intouchable. Toi, ça, moi, mais c'est eux qui l'ont rendu intouchable. C'est pas de sa faute à Mbappé. C'est peut-être parce qu'il est intouchable à l'extérieur que le coach se dit qu'il ne peut plus l'enlever. Moi, même si sportivement, aussi, ça aurait pu se justifier. Si Didier Deschamps a un problème avec ça, alors qu'il braque l'équipe de France depuis 12 ans, enfin franchement... Mais je pense sincèrement qu'il a un problème avec ça. Moi, je pense qu'il ne peut pas descendre Kylian Mbappé. Non, je pense qu'il sait très bien qu'en fait, c'est le mec qui
comment dire, c'est l'unique mec capable de faire en sorte que ben je travaille pas tactiquement, je défends bien devant, on je sais pas vu, quoi faire, on l'a pas c'est vu le cette seul saison, on l'a mais pas c'est vu là cette le problème. Club, et on l'a pas vu mais c'est là la problématique de l'équipe de France sur l'Euro, c'est-à-dire que si tu n'as pas Mbappé, eh ben personne peut marquer les buts. Et ça, on s'en est rendu compte. Et le problème, c'est que tu peux pas passer par du jeu, par des schémas, par des trucs, parce que les autres ne savent pas quoi faire. Pour toi, le statut d'intouchable de Kylian Mbappé, pour moi, par exemple, il influence complètement Didier Deschamps, même tactiquement, parce qu'il veut à chaque fois le mettre dans la position. Non, il veut le mettre dans sa position préférentielle. Non, là où veut jouer. Je suis pas d'accord. Il se met dans sa position préférentielle tout le temps. Quand il a envie de le faire, il le fait. Il n'a pas de conditions. Il a tordu l'équipe dans tous les sens pendant l'Euro pour essayer de trouver une formule qui il jouait neuf, il était tout le temps ailleurs. Oui, mais tout en tenant compte de sa réalité du moment. Parce que c'est ça aussi dont il est question. Moi, je suis d'accord. L'Euro, en fait, ça vient ponctuer tout un cheminement, un processus où, en fait, il y a un doute qui s'est installé Mbappé, cette saison. Mbappé, il n'a pas voulu. Non, non, ça n'a rien à voir, ça. Mbappé, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, c'est tout. Il n'a pas préparé son Euro. Oui, on dit tout le temps, ouais, ils font 60 matchs par saison, c'est trop. Il a eu toute la deuxième partie de saison pour gérer son truc. D'accord. Il n'a pas l'habitude. D'habitude, il joue tous les matchs. Quand tu joues tous les matchs, tu te reposes tout le temps. Tu travailles jamais. Là, le problème, c'est qu'il a pas préparé son Euro parce qu'il aurait dû travailler. Là, l'histoire des 15-15 parce qu'il a mal au dos, qu'il fait pas le travail physique. Je suis désolé. Ça, c'est un manque de travail. C'est un manque mais de travail, c'est tout. Pourquoi on laisse passer? Mais parce qu'il fait ce qu'il veut, et c'est Deschamps qui s'autorise. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec ça. Que ça pollue complètement l'équipe de France, tu mais vois. Mais si Mbappé... On voit bien, ça pollue le vestiaire. Et oui, mais si Mbappé est un joueur si phénoménal qu'il le dit, travaille. Attendez, braque l'émission a commencé. Non, mais parce que je t'affole. Moi, je laisse parler les gens. J'ai un peu braqué le plateau aussi, pardon. Ben oui, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient envie d'être dites. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'on est arrivé dans cette situation parce que par la force des choses. Et je pense que Deschamps s'est retrouvé un petit peu dos au mur en acceptant le fait que finalement Mbappé ce soit son facteur X et derrière qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a ce mec là qui est là et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. En fait, ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain est en train de se passer avec l'équipe de France. Il y a pas de parallèle à faire avec sa situation au PSG et sa situation en fait, sans forcément faire de parallèle, on se rend compte que ce mec là est tellement hors norme et tellement dans sa galaxie que finalement c'est en train de s'installer tout seul. Et je pense qu'on en parlera après de Didier Deschamps, mais moi je pense que c'est aussi là la limite d'avoir un sélectionneur qui reste aussi longtemps, c'est que sa politique finalement, elle est en train de s'engoncer dans cet univers équipe de France. Et je pense qu'il faut un changement absolument pour qu'on puisse enfin démanteler un petit peu tout ça, parce que c'est en train de commencer à s'installer. Et que je pense que même aussi bien pour les joueurs, pour l'équipe de France que pour Kylian Mbappé, c'est quelque chose qui ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Donc on est obligé d'avoir un changement, d'avoir quelque chose qui va faire que cette situation va complètement exploser et très vite, parce que si on laisse les choses s'installer comme ça, et on sait très bien que Kylian Mbappé c'est une galaxie, quand il arrive quelque part c'est pas un joueur comme un autre, et ben je pense qu'à la fin on va se retrouver avec une équipe de France qui va dépendre beaucoup trop de est-ce que Mbappé est en forme, est-ce que Mbappé est bien dans sa tête, et ça c'est ce qu'on doit absolument éviter. Je voulais aborder justement la relation Mbappé avec ses coéquipiers. On va un petit peu remonter le temps. Souvenez-vous, durant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, donc, après le match contre la Pologne, ou même avant le match contre la Pologne, Adrien Rabiot déclarait ceci au sujet de Kylian Mbappé. On est tous conscients qu'il peut faire vraiment beaucoup. On connaît ses qualités. Il marque des buts dans des positions incroyables. Il trouve des angles. C'est ça qu'on attend de lui. On charbonne derrière pour qu'il fasse le boulot devant. Avec l'Euro qui vient de se passer, est-ce que tu penses, Tidiani, que ses coéquipiers vont peut-être un peu changer de comportement sur le terrain pour moins favoriser le jeu autour de Kylian Mbappé? Mais c'est pour ça que moi, très rapidement dans le débat, j'ai voulu intégrer la notion de contrepartie. Parce que quand on est un intouchable dans une équipe, c'est des équipes où ce sont d'énormes égos qui cohabitent. Donc même pour un Adrien Rabiot ou pour n'importe quel joueur du groupe France, se dire qu'il est, je caricature un peu, un serviteur de Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit, il doit puiser dans son ego pour l'admettre. Mais il l'admet, parce que c'est un sportif de haut niveau et qui sait que ça va lui permettre de gagner. Et ils ont déjà gagné comme ça. Maintenant, le problème, et pourquoi la contrepartie, c'est que en 2022, il marque 8 buts. C'est la locomotive attendue. Il fait un tournoi d'ailleurs. Précision, c'est pour ça que je reviens aussi sur cette fameuse culture de l'excuse. On l'a pas entendu du tournoi.
Donc c'est pareil, il était focus, il était dans une approche qui était totalement différente. Il n'était pas capitaine. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est aussi presque une question de légitimité. Oui. Pas par rapport au joueur qu'il est, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est capable d'être fantastique quand il est à 100% de ses moyens. Il est la locomotive, il est le joueur qui mérite d'avoir ce statut d'intouchable. Mais la limite, c'est quand il n'est pas dans les conditions d'être la locomotive attendue. Et là, forcément, les griefs ressortent. Les joueurs, je sais pas si ça les a fait kiffer de voir, je sais pas par exemple si Griezmann ça l'a fait kiffer de voir Mbappé dire en conférence de presse, il est pas trop en forme en ce moment, faut l'aider. En gros, un peu le voir distribuer les bons points alors que eux ils sont sur le terrain, ils regardent des matchs et ils voient un Kylian Mbappé qui est très très loin de leur rendre eux ce que lui donne comme dévouement. Donc c'est pour ça que la question pour moi de t'es un intouchable, pas un problème de statut d'intouchable, il y en a dans toutes les équipes. Il n'y a pas L'intouchable, il doit rendre quelque chose. Il est là le problème. Et c'est ça, en fait, dans la déclaration d'Adrien Rabiot, c'était la vérité d'hier, mais qui n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi que le groupe était un petit peu en train d'exploser, ce qu'on n'avait jamais vu de l'équipe de France, hein, ce qui se passe là maintenant. C'est pas par rapport à Mbappé qu'il a explosé. Pour moi, Pierre, c'est un tout. C'est par rapport à Didier Deschamps, les choix et la gestion des remplaçants. Mais voilà, c'est qui ? C'est pas Mbappé, ça ? Non, mais d'accord, mais oui, mais. T'aurais pu faire d'autres choix devant, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas Mbappé qui. Je veux bien, moi. Mais que c'est sa faute à lui. Non, mais le fait. Moi, je suis d'accord sur une seule chose. Le débat, en fait, Pierre, c'est pas lui qui est pointé du doigt. On dit juste qu'il a un statut actuellement, c'est factuel, d'intouchable. Et c'est ça, oui, en mais fait, il a un statut. Oui, actuellement. Je comprends ce que vous voulez dire. Le truc étant, c'est que Mbappé, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'unique mec capable de changer un match tout seul. C'est le seul. Mais ça, c'était avant. Ça, je suis pas sûr. Non, c'était avant. Écoute, s'il met, au lieu de mettre des drops, s'il cave. Non, mais je suis d'accord. Après, on peut faire. Je suis d'accord qu'il le fait pas. Il vient de faire un euro cata. Je suis d'accord avec ça. Je vais pas le défendre. Ce que je veux dire, c'est que, avec le phénomène que t'as, en fait, devant, on voit bien la difficulté et le manque de travail offensif de Didier Deschamps, en tout cas, en phase de possession, comment faire pour essayer de faire des choses. Comment tu veux que lui, il arrive à changer d'état d'esprit et à mettre des choses en mais place. Mais là où t'as raison, c'est que obligé de le garder Mbappé en fait. Là où t'as raison, c'est que ça met plus en lumière les lacunes de Didier Deschamps. Bien ça, sûr, exactement. Et surtout là, cette année, à cet euro-là. Le péché originel, en tout cas, de Didier Deschamps, c'est d'avoir considéré que la victoire de l'équipe de France, en tout cas dans un euro, dans une grande compétition, ne pouvait passer que par Mbappé. En fait, quand tu envoies ce message à ton vestiaire et qu'en plus derrière, comme l'a dit Tidiani, parce que c'est pas la seule réflexion qu'il a eue, hein, il a aussi parlé du fait que sans un Pogba aujourd'hui, les ballons, ils arrivent beaucoup moins. Je suis désolé. Ah, ils ont dû être contents, les milieux. C'est vrai. Non, mais alors, mais que ce soit vrai Attention, ne parlez pas tout seul. Comme Cyril le dit, t'es le capitaine de cette équipe de France. Et qu'est-ce que tu leur dis à tes coéquipiers? Les gars, vous savez pas me mettre un ballon. À un moment donné, moi, je peux comprendre qu'Adrien Rabiot pète un câble. Je peux comprendre que les autres qui passent leur temps à couvrir, à le couvrir aussi derrière. Parce que, oui, certes, il fait pas les efforts défensifs. Ça, je leur veux pas forcément. Mais je veux dire, à un moment donné, quand t'es pas performant. Sur le terrain pendant l'Euro, je t'ai trouvé concerné, moi. Non, mais concerné. Mais bien en deçà de ce qu'on peut attendre de Kylian Mbappé. Parce qu'on attend qu'il marque des buts. Mais oui. C'est tout. Mais le problème, c'est que quand t'es Didier Deschamps et qu'en plus tu sais la saison qu'a vécu le mec, tu sais qu'il va pas arriver dans les meilleures conditions, que tu dises que ça va passer par lui et que c'est le joueur phare, je suis désolé, c'est une erreur monumentale. Les autres derrière, à le voir sur les premiers matchs, voir que Kylian Mbappé n'est pas du tout à son niveau de prédilection, les mecs, je peux comprendre qu'ils deviennent fous. J'ai pas trouvé que ça avait posé tant de problèmes sur le terrain. Dans les attitudes, moi, j'ai pas trouvé. Après, peut-être que vous, c'est différent, mais. Non, mais c'est problématique. C'est une façon de voir les choses qui marche uniquement quand tu gagnes. C'est comme Deschamps. Oui, mais. Tu te bases sur la défense uniquement et quand ça gagne pas, tu te fais chier. Une réalité qui nous est quand même apparue claire à nous tous. C'est que, à partir du moment où tu fais ce parti pris de tout sur Mbappé et qu'il n'est pas dans les conditions de te le rendre, en fait, ton équipe, elle devient dysfonctionnel. Ton approche, en fait, elle je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que t'as des joueurs sur le banc que t'aurais pu continuer de mettre en gardant Mbappé. Tu peux mettre Barcola, tu peux mettre Mbappé dans T'as vu ce qu'a été la gestion de ces joueurs-là. Mais justement, la problématique n'est pas d'attendre la 105e minute du match contre le Portugal. Donc en fait, que Kylian Mbappé dise qu'il est trop fatigué pour continuer, pour qu'à ce moment-là, Didier Deschamps se décide à le lancer d'un Giroud que t'achetais comme ça sur le terrain au dernier match en voulant qu'il prenne la cape du sauveur. On dirait que Barcola, en fait, il rentre pas que s'il y a Mbappé. On dirait que Coman est dans le pendant. Je vais te dire, il y a
à ce que Mbappé n'a pas rendu sportivement sur le terrain et il aurait dû le faire parce qu'aujourd'hui c'est le fer de lance de cette équipe. Mais je vais même te dire cette approche-là, elle a mis Deschamps en difficulté, pas uniquement sur la tactique, mais aussi sur le management. C'est ce que j'ai dit. C'est d'autant plus problématique que c'est censé être l'une de ses grandes forces au sélectionneur. Justement, juste après ou avant la demi-finale contre l'Espagne, il avait un petit peu listé tous les tracas de Kylian Mbappé pour cet Euro. Séverine, est-ce que c'est audible tout ça? Est-ce que finalement il a des circonstances atténuantes, Kylian Mbappé? Mais non, moi j'en ai marre d'entendre toutes les excuses. Il a 10 000 excuses. J'ai entendu que c'était la situation politique qui commençait à le perturber. Je peux l'entendre, c'est un être humain et c'est très bien. Ça nous montre que c'est pas un robot, pas une machine. C'est bidon, ça. Mais ça, c'est les gens qui se moquent un peu de lui. C'est politique, bon. Non, mais enfin, je veux dire, c'est trop. Moi, je trouve ça trop. Moi, je trouve ça. C'est des excuses et encore des excuses. Avant l'Euro, il nous disait quand même plus que Kylian Mbappé qu'il allait faire potentiellement un grand Euro et marquer de son empreinte la compétition. Enfin, moi, je l'ai cru. Non, mais il y a un truc en avant-compétition, mais en fait, pas du tout. On n'était pas du tout là-dessus. Il y a un truc, et je serai très court là-dessus. Moi, j'entends la politique de l'excuse toujours autour de Kylian Mbappé, mais ce qui est devenu assez terrible, et parce que moi, je suis sur les réseaux et que je regarde beaucoup ce qui se dit, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire un constat et d'essayer d'être objectif par rapport à ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. On peut très bien parler de lui négativement, mais il faut parfois aussi être honnête et savoir rappeler ce qui a fait qu'on a un Kylian Mbappé comme ça. On est tous d'accord pour dire qu'en 2018, on avait un joueur qui était complètement différent. Aujourd'hui, on a un joueur qui a presque tout perdu, en tout cas perdu de tout ce qui faisait sa superbe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a même plus le droit de faire le constat de pourquoi il est devenu comme ça et que dès qu'on donne un argument, on a l'impression qu'on donne une excuse. C'est pas des excuses, alors, c'est juste faire un constat. La suite. Est-ce que vous pensez que son arrivée au Real peut lui provoquer un déclic ce côté hors sol? Est-ce que ça peut le calmer? Parce qu'il va être là contraint et forcé à une remise en question. Il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça qu'en fait, les deux... C'est normal. Non, mais c'est normal. Et en fait, c'est normal. Donc le Paris Saint-Germain qui lui a donné un salaire de 70 millions d'euros par an et l'équipe de France qui est normalement au-dessus de tous les intérêts suprêmes d'un sportif de haut niveau, ça ne suffisait pas à ce que Kylian Mbappé se remette en question sur son football, sur son implication. Vous faites rire, faut attendre qu'il aille au Real Madrid, à la Casablanca, pour que on ait cette remise en question. Ça suffisait pas avant. Sans parler de salaire et sans parler d'argent, en fait, ça c'est juste humain. C'est-à-dire que quand on t'installe dans un confort, que tu gagnes 100 euros ou tu en gagnes 10 millions, en fait, c'est inconscient, tu rentres dans un truc une facilité. On a donné trop de confort à Kylian Mbappé. Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est super difficile quand t'es joueur de foot, et je l'ai été, mais que ce soit même en entreprise. Quand on t'accorde des petits droits, finalement, tu t'y habitues, tu vois. C'est comme quand t'as l'habitude de donner des places à des gens et puis un jour, t'as plus tes places. Est-ce que c'est censé devoir rogner sur ton implication? Non, ce que je veux dire, c'est le sportif... Ça valorise ce que tu fais dans une structure. Rends-le. Attends, mais je trouve que quand t'es sportif, en fait, t'as ce besoin de remise en question. Et c'est là qu'on comprend encore plus la difficulté de ceux qui restent longtemps très forts dans un club. La difficulté de... T'as besoin de te remettre en question, en fait, pour évoluer tout le temps. Ça, c'est juste normal. Et moi, je considère qu'en fait, je suis pas inquiet pour lui parce qu'il va arriver dans une maison qui va pouvoir l'éduquer par rapport à son travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense juste que Mbappé a eu un problème, une mauvaise gestion, mais c'est lui-même aussi à se remettre en question et à travailler. Là, il a pas travaillé. Je suis désolé. Alors, c'est juste voir un manque de boulot. De le faire. Kylian Mbappé, les amis, est-ce qu'il est en train de finir, les gars? Puisque Kylian Mbappé, ce n'est plus le Kylian qu'on a connu il y a de cela 2 ans, il y a de cela 3 ans. Est-ce que c'est la fin, Kylian Mbappé, les amis? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler de Kylian Mbappé, on va en parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc... Si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pas, on est parti. Alors les gars, le Kiki National, est-ce qu'il est en train de se finir? Puisque Kylian Mbappé, il a fait un euro catastrophique. Catastrophique, certes. Il a marqué un but sur penalty et délivré une passe décisive à Randal Colomani. Mais lorsque tu es un joueur du statut de Kylian Mbappé, pour moi, tu dois beaucoup en faire mieux. Kylian Mbappé, les amis, moi je pense que Deschamps, il a fait une erreur monumentale en misant tout sur Kylian Mbappé. Lorsque tu es un entraîneur, tu ne dois pas tout miser sur un joueur. Ce n'est pas possible. Imaginez peut-être
tu mises tout sur un joueur et ce joueur peut-être se blesse. Si se blesse, tu fais comment? Si ce joueur se blesse, tu fais comment? Et du coup, tu n'as pas de plan B, puisque lorsqu'on regardait Deschamps, là, Deschamps n'avait pas de plan B. Il n'avait clairement pas de plan B. C'était vraiment Kylian Mbappé. Plan A, plan B, Kylian Mbappé. Plan C, Kylian Mbappé. Deschamps n'avait pas de plan B. Et lorsque tu n'as pas de plan B, c'est très compliqué. On suppose même que Kylian Mbappé, il est en forme, etc. Miser sur un joueur, c'est hyper risqué. Puisque il suffit peut-être qu'il se blesse. Il suffit qu'il soit en méforme. Et tout ton plan est parti dans l'eau. Puisque tu n'as pas de plan B. Et comme tu n'as pas de plan B, ton plan A est parti dans l'eau. Tu n'as pas de plan B. Et du coup, ça devient très compliqué pour toi. Donc, moi, je pense que Deschamps a fait une erreur en misant seulement sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les gars, moi, je pense que c'est aussi une autre erreur de Deschamps de confier le capitaine à Kylian. Kylian Mbappé, ce n'est pas un rassembleur. Un capitaine, c'est celui qui rassemble. C'est celui qui est là pour donner de bons conseils à ses coéquipiers. C'est celui qui est là pour galvaniser ses coéquipiers. C'est celui qui est là pour d'abord penser au collectif au détriment de ses statistiques. Kylian Mbappé, il ne pense qu'au ballon d'or. Statistiques, marquer des buts. Pour moi, un capitaine doit d'abord penser à l'équipe. Un capitaine doit d'abord penser au collectif. Donc, Kylian, il faut vraiment que le mec se ressaisisse. Sinon, j'ai peur pour l'Oréal. L'Oréal, ça n'est pas dans le pain. On a vu des garçons arriver au Real au top de leur forme et être sur le banc. Je pense notamment à Eden Hazard. Eden Hazard, lorsqu'il arrive au Real Madrid, c'était le Hazard presque prime. Mais regardez comment il est fini. Regardez comment Hazard est parti se finir au Real. Hazard est mal fini. Au Real, si tu n'es pas en forme, si tu n'es pas au top, tu es sur le banc. Imaginez qui a pris la place de Denaza. C'est un gamin Vinicius. C'est Vinicius qui vient prendre la place de Denaza. Donc, le Real, ce n'est pas donc pas si Kylian arrive là-bas en sachant que c'est lui le boss, qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde, etc. Pour moi, il va se casser la gueule. Il va clairement se casser la gueule s'il arrive au Real Madrid en ayant un statut. En se disant que voilà, je suis le leader, c'est moi le boss, etc. Il va se casser la figure. Le Real, ce n'est pas le PSG où il contrôlait tout. Hein. Au PSG, il pouvait se permettre de contrôler tout, etc. Mais lorsque tu arrives au Real, le Real, c'est d'abord une institution, ce n'est pas le PSG. Au Real, tu ne vas jamais voir un jeu du Real faire sortir n'importe comment. Tout est cadré au Real. Personne n'est au-dessus du club. Tout est cadré, la communication, tout. Donc, si Kylian ne se plie pas, j'ai peur pour L'Oréal, puisque L'Oréal a remporté les RDC sans Kylian Mbappé. L'Oréal n'a pas besoin de Kylian Mbappé pour remporter la RDC. C'est Kylian qui a plus besoin du Real que L'Oréal a besoin de Kylian. Ce n'est pas l'inverse. C'est Kylian qui a plus besoin du Real Madrid. Donc, il a intérêt à se plier, il a intérêt à se mettre au travail, il a intérêt à bosser. S'il ne bosse pas, je vous assure, il sera rapidement sur le banc. Ça ne joue pour Real Madrid. Donc, est-ce que Kylian Mbappé est en train de signer? Moi, je pense que non. Ça peut arriver pour un joueur de faire une saison moyenne, voire alors mauvaise. Mais attendons la deuxième saison. Si la deuxième saison est aussi mauvaise ou bien moyenne, là, on peut s'interroger. Mais pour l'instant, ne tirons pas encore des conclusions. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Kylian Mbappé est fini? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre revue, les amis. Ciao, ciao.